Elle est au carrefour des continents. Depuis l'époque de la domestication du chameau, elle est au carrefour des grandes voies de communication entre l'Asie et l'Afrique. Et elle domine des collines qui, cultivées par l'homme, favorisées par les rosées et les pluies, sont éminemment fertiles au seuil d'immenses déserts. J'amène souvent mes amis sur le mont des Oliviers ou sur le mont Scopus et je leur dis, au bout de votre soulier gauche, vous avez les déserts qui vont jusqu'au Pakistan et au bout de votre soulier droit, le monde méditerranéen. Et c'est coupé comme au couteau, n'est-ce pas? Et Jérusalem est en ce carrefour. D'autre part, climatologiquement, Jérusalem est située à 800 mètres d'altitude, mais auprès d'une dépression, celle de la mer Morte, qui se situe à peu près à 900 000 mètres au-dessous de Jérusalem, et ouverte vers les vents de la Méditerranée, ce qui donne à Jérusalem une lumière et un climat exceptionnel. En ce qui concerne la lumière, les savants mesurent la lumière au lumen. Lumen, c'est pour la lumière ce qu'est le mètre pour les distances. Et en lumen, la lumière qui éclaire Jérusalem est 5 fois supérieure à la lumière moyenne de l'Europe. Et c'est le grand problème des musées d'Israël. La lumière dévore littéralement les peintures. Et même sans connaître qu'à Jérusalem, il y a 100 lumens, là où partout ailleurs, il y a 20 lumens, tout le monde est ébloui par la lumière de Jérusalem. Les objets semblent non pas être éclairés par la lumière, mais sculptés dans la lumière. Et l'être le moins poétique est comme ébloui par cette lumière dont on peut dire que Rome n'est pas dépourvue, parce que la lumière à Rome est d'une telle beauté. Je dois dire que bénéficiant depuis une semaine de ce climat printanier dont Rome me gratifie, j'aurais envie de vous parler de Rome aussi bien que de Jérusalem. Mais ne suis-je pas en train de parler à Rome de cette Jérusalem qui est dans Rome et de cette Rome qui est dans Jérusalem? Oui, Jérusalem a été déchirée par 40 conquérants qui l'ont prise et reprise parce qu'elle était un lieu de richesse, parce qu'elle était un lieu d'un carrefour entre les continents. Et que dominer Jérusalem était dominer la région, et demeure vrai, ce qui demeure encore vrai.